Bonjour tout le monde, c'est Skywood. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit projet que je viens de finir. Ce projet, c'est une version améliorée de mon lecteur MIDI que j'avais réalisé précédemment avec un écran tactile. Cette nouvelle version est beaucoup plus fluide, elle marche, contrairement à l'ancienne version qui buguait assez souvent. Cette nouvelle version est beaucoup plus stable. J'ai retiré beaucoup de bugs de l'ancienne version. J'ai tout réécrit de zéro, ce qui m'a permis de faire des choses beaucoup plus propres. Et grâce à ça, j'ai pu faire une classe C++ qui est totalement générique et qui pourra compiler sur n'importe quelle plateforme. Donc là, j'ai fait la démo avec, enfin, je vais faire la démo avec une carte Arduino, mais ça pourrait très bien marcher sur un ordinateur, comme sur, je sais pas moi, une carte STM32 ou etc. etc. Tant qu'il y a un compilateur C++, ça pourra fonctionner. Cette version a une petite particularité, c'est qu'elle ne peut lire que des fichiers ne contenant qu'une seule piste MIDI, ou alors plusieurs pistes MIDI, mais dont toutes les pistes précédentes ne contiennent que des métadonnées, c'est-à-dire nom de la piste, etc. etc. Si il y a plusieurs pistes qui doivent être lues simultanément, ça lira chaque piste, c'est pas une par une, à la suite. Piste 1, piste 2, piste 3, etc., etc. Mais ça ne pourra pas les lire simultanément. La lecture simultanée, c'est en cours de préparation, mais ça requiert quelques petits bidouillages qui pour le moment ne fonctionnent pas. Donc je vais faire deux versions séparées. Je vais d'abord vous présenter cette version simple, et puis dans un autre article et dans une autre vidéo, j'essaierai de vous présenter ma version avec lecture simultanée. Donc au niveau du hardware, rien de plus classique. Une carte Arduino, un Uno, avec une Ethernet shell pour la carte micro SD, un jack MIDI avec les petits câbles qui vont bien, et un synthétiseur MIDI. Donc je vais brancher tout ça. Et je vais monter le son.
penserais pour arriver à ce résultat, je suis quand même, j'ai quand même taffé pendant un bon petit moment. Il y a plusieurs jours de travail, mais je suis assez content de moi. Je fournis, comme d'habitude, le code source sous licence open source. Je fournis deux versions. Une version pour PC ou n'importe quelle plateforme, avec tout ce qui est ligne de débugage. Et une version propre, nettoyée, spécialement étudiée pour Arduino. Bon, alors tout est téléchargeable comme d'habitude sur mon blog. J'espère que vous serez à pour mes prochaines vidéos. Et je vous dis à plus!